Un habitant de l'île d'Orléans philosophait avec le vent, les petits oiseaux et la forêt. Le soir venu à ses enfants, il racontait ce qu'il avait appris là-haut sur les galets. Un beau matin, comme dans son champ près du marais, avec son chien en sifflotant, il s'engageait. Deux hommes armés à collet blanc lui touchent le dos, très galamment en s'excusant lui lit ces mots. Monsieur, monsieur, vous êtes sous arrêt, parce que vous philosophez. Suivez, monsieur, en prison vous venez. Pour philosopher, apprenez qu'il faut d'abord la permission, des signatures et des raisons, un diplôme d'au moins une maison spécialisée. Dit Jean Latour à bicyclette un soir de mai, se dirigeait le cœur en fête chez son aimé. Et il chantait à plein poumon une chanson bien inconnue dans les maisons de publication. Mais deux zélés de tout à l'heure passant par là entendent chanter l'homme dont le cœur gaiement s'en va. Sortent leur fusil, le mettent en joue sans hésiter, et lui commence ce discours pas très sensé. Dis Jean, dis Jean, me voilà bien mal pris, parce que tu chantes sans permis. As-tu ta carte? Fais-tu partie la charte? Tu vois bien mon petit Jean Latour, faut que tu comparaisses à la cour. Apprends que pour devenir artiste, faut d'abord passer par la liste des approuvés. Et en prison, petit Jean Latour et l'habitant sont enfermés à double tour pendant 2 ans. Puis quand enfin l'autorité les libéra, écoutez bien, mesdames, messieurs, ce qu'elle trouva. Un homme savant et un compositeur, heureux grands et seigneurs, on les pria d'accepter des honneurs. Mais l'habitant en rigolant s'en fut en courant dans son champ, pendant qu'à bicyclette Tijan reprit sa route en chantonnant tout comme avant.